Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures d'apprenti sorcier à Poudlard. Alors pour rappel, la dernière fois on avait suivi un cours de botanique et on avait dû aller replanter pas mal de mandragores et cette fois-ci on va aller chercher la classe de transfiguration. Alors du coup je sais pas qu'est-ce qu'on va transformer comme objet mais apparemment c'est le thème d'aujourd'hui. Allez c'est parti, on va aller voir ça ensemble. Au passage j'en profite pour vous rappeler que si vous ne vous êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire et vous pouvez activer la cloche de notification. C'est super important pour la chaîne et ça me fait toujours autant plaisir. Allez, on va voir ça. Alors, je sais pas du tout où aller. Cette fois-ci, on n'avait pas trouvé la salle, donc il va falloir la chercher à l'ancienne. Donc, autant vous dire que ça peut prendre longtemps. Alors, hop, à gauche ou à droite, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Potion. Ah non, pas les potions. Ah, on va explorer ça. Ça fait pas rêver cette aile du château là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il y a des rats. Boum! Bombardement. Vous me faites plus peur là. Oh, oh là là, ils sont là, ils sont là. Je les ai eus, je les ai eus. Ah, ils se sont transformés en paquets. Ah, la magie. Viens mon petit, viens mon coco. Boum! Bah voilà. Ah, ah! Je peux rien lui faire, je peux rien lui faire. Il est trop fort. Non, j'ai le cooldown de mon sort en fait. Du coup, pour l'instant, je ne peux rien faire. Allez, hop là. T'es tout seul? Oh, vous étiez deux. Voilà, cette fois-ci, c'est réglé. Alors, de la bonne powder. Tac. On va tout récupérer tranquillou. Bon, je vous rappelle aussi qu'on a toujours comme objectif de s'acheter un balai. Et le premier prix, je crois qu'il y a plus de 2000 et quelques. Donc c'est pas pour tout de suite. Là, on doit avoir même pas 600. Hop, alors on remonte par où ici? Oh! On est à 590, vous voyez. Donc c'est pas pour tout de suite, sachant que on gagne pas beaucoup d'argent. Il faudra peut-être que je me décide aussi à faire des missions secondaires. Je pense que je vais décider, enfin, décider de faire un épisode entier sur des petites quêtes secondaires histoire de gagner un petit peu d'argent. Alors apparemment c'est au-dessus. Bon on va en bas. Non, hop. Oh un coffre. Un beau coffre. Je suis déjà venu ici. Non. Il y a quoi là-haut? Absolument rien. Alors si vous ne voyez rien, c'est normal. Moi non plus, je ne vois rien. C'est pas une question d'enregistrement. C'est tout simplement que c'est très sombre à cet endroit. Bon allez, on repart en arrière. Et puis, enfin, je pense que je ferai aussi une vidéo exploration vraiment du château à fond. Alors, hop, bon, il disait que c'était au-dessus. Je pense que ça va prendre un petit moment. 12 seconds later. Voilà, cette salle est super jolie. Ah, ça, on peut les récupérer. Oh, Wingardium Leviosa. Hop, allez. On va le prendre. Hop là, allez, viens avec nous. Je sais pas ce que ça fait. Où est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ils ne doivent pas être à des millions de kilomètres. Ah, vous voyez ici, il y a un petit bombardement à faire. Alors, hop, on change de sortilège. Hop, deuxième. Alors, toujours. Le cooldown est vraiment trop important sur ce sort, c'est horrible. Hop là. Bon alors ça c'était pas prévu. Je vous le montre si j'arrive à trouver le troisième, parce que pour l'instant je sais pas où il est. Mais je vous avouerai. Oh, il y a un vif d'or derrière. Est-ce qu'on peut te récupérer autrement? Ah, il est là! Ah bah on va pouvoir. Je sais pas à quoi ça nous sert. Non, 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 s'il te plaît. Ne fais pas ça. Hop. Viens là-bas. Alors j'espère qu'il va pas se mettre à partir dans tous les sens. Hop. Allez, tu ne bouges pas, t'es un bon petit vif d'or. Ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Ah non, je suis trop déçu. Bon, en tout cas, on l'a récupéré. Et j'étais déjà passé à cet endroit en me disant que ça pouvait être sympa. Alors, je vais pas du tout dans le bon sens. A few moments later. J'ai eu ma vie qui s'est affichée où je l'avais pas vue en fait juste avant, du coup ça m'a fait trop peur. Je me suis dit, oh, il se passe quelque chose. Waouh! Ah mais c'est la fameuse classe! Donc il faut que je parle au chat. Miaou.
McGonagall. Est-ce que je peux avoir votre attention? Ah oui, mais comme dans le film où elle était là dans la salle depuis le début. Mais là, on est tout seul, madame. On va apprendre le spell, enfin le sort Vera Verto. On peut changer les formes, apparemment, de ce qui nous entoure. Et on pourra changer donc des objets et des ennemis. Oh, le pauvre! Elle l'a transformé en verre. Enfin, en calice, on va dire. Calice, le mot qui n'existe plus. Ouh là là. Bon, bah, il va y avoir une épreuve. Je pensais qu'il n'y aurait pas d'épreuve aujourd'hui, mais il va y en avoir une. Alors, bonne chance. Bah, merci, madame. McGonagall, c'était pas la plus drôle de toutes au début, quoi. Mais bon, finalement. Alors, ça, c'est le fameux sort en question. Tac. Donc, oula, ça glisse. On est sur une sorte de sol en glace. Ah, c'est génial. Franchement, l'architecture est magnifique. Est-ce que je peux avoir une vue d'ensemble? Voilà. Ça, c'est pour la miniature. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux transformer là? Ok. Ouf. D'accord, je l'avais pas vu venir. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse du tout. Alors, on va d'abord un petit peu observer la pièce. Il faut que j'arrive à monter quelque part? Ah, faut que je mette ça d'ailleurs. Ok. Alors, toi, on va t'emmener ici. Toi, on veut te ramener de l'autre côté, parce que ce sera l'escalier. On va se mettre sur le côté, hein, ça évitera de se faire écraser. Voilà. Je comprenais pas pourquoi ça bougeait. Alors, le petit détail maintenant, ça va être de repousser ça. Est-ce que je peux éventuellement t'attirer avec celui-là? Non, ça marchera pas. Alors, le truc c'est que je peux pas te repousser. Ah si, je peux prendre l'autre, d'accord, ok. Allez, prends, éventuellement, amène-toi là. Lui, il est vraiment coincé, c'est ça le problème. Ah ben non, c'est bon. Regardez, on va faire comme ça. Attention, ça peut faire mal. Voilà. Ah ouais. Eh oui. Ah non, j'ai une idée. Si j'attire au fond derrière, normalement, ça devrait quand même les attirer celui-là. Voilà. Non. Hop, hop. Attends. C'est pas vrai. Non, vous n'avez rien vu. Mais juste une question. Il y en avait un dernier, je l'ai pas vu. Alors, on va faire un truc parce que je crois que. Many, many minutes later. Alors, j'ai recommencé plusieurs fois ce passage et j'ai trouvé, à mon avis, la solution. Donc là, j'ai tout remis à zéro. Et la solution, ça serait ça. Parce que le seul problème, c'est que lui, j'arrive pas à l'avoir. Normalement, il finit souvent ici. Donc du coup, je suis obligé de le laisser sur la ligne du milieu. Et la seule façon de manipuler les blocs et de le garder au milieu, c'est comme ça, si je vous dis pas de bêtises. Hop, voilà, bon, c'est bien ce que j'imaginais. Ça devrait normalement bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, je vous avoue que. Aïe! Voilà, je vous en avais parlé. Hop, voilà. Et normalement, ça nous fait un escalier tout propre. Voilà. Bon, alors. Je suis capable de tomber, hein, je vous le dis. Voilà. Et alors là, par contre, je sais pas du tout où aller maintenant. Ah oui, il n'y a pas de boussole d'ailleurs, je regardais. Cette pièce est incroyable. Franchement. Bah, du coup, j'ai eu l'occasion de la regarder un petit peu plus en détail. Vu que j'ai recommencé plusieurs fois. Et franchement, cette verrière, elle rend trop bien. Ok. Faudrait que je fasse attention, il y a peut-être des monstres aussi au passage. Alors, attendez, moi je veux quand même vérifier qu'il n'y ait pas un petit coffre caché là, dans l'allée. Non, ça a l'air d'être bon.
Hop, alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Donc là, il y a une plante qui nous fait un espèce de ressort. Ok. Ah, faut d'abord que je la transforme. J'allais me dire. Ah, mais il faut que je sois dessus, d'accord. C'est instantané, quoi. Stylé, les statues. Salut, professeur. C'est quoi, ça? T'as quelque chose à nous dire? Ces armures enchantées sont beaucoup trop fortes pour être battues de la façon traditionnelle avec les sorts que le professeur Lupin t'a enseigné. J'ai bien peur qu'il faille ruser pour s'en sortir. Utilise Stupéfix ou Bombarda Maxima pour les stunner et ensuite transfigure-les pour les transformer dans une forme beaucoup moins hostile. Ok. Ok, ok. Ah, ok. Ok. Non! A few minutes later. Alors, si je vous dis pas de bêtises, il va falloir simplement aller défoncer les armures qui sont là. On va essayer de les prendre un peu par surprise parce que, honnêtement, elles nous font pas du bien. Hop. Ça fait deux fois que je dois m'enfuir. Hop. Et là, c'est le moment où ça va être technique. Hop. Voilà, j'ai réussi à la transformer en un vilain petit canard. Bon, par contre, je me fais bolos par des pauvres grenouilles. Qui, elles, par contre, je vais me venger. Et je vais me venger d'une façon terrible. Saleté. J'espère que c'est pas celle de Neville. Ah, il y en a encore une là. Alors j'attends le cooldown et j'y vais. Je vais tout de suite leur faire leur compte. Voilà. Voilà ce que j'en fais moi. Ah, il y a une clé ici. Alors attendez, on va fouiller quand même le labyrinthe. Ah, alors je pense que les créateurs du jeu avaient pas pensé au fait qu'on puisse. Oh, j'ai cru que c'était bon quand même tenter. Non. J'avais pas pensé au fait que j'allais escalader, enfin que les joueurs allaient escalader en fait le truc. Oh, il y en a une derrière là. Tout simplement parce que bah du coup ils ont mis des trucs pour se battre un peu au milieu là, des fontaines de, enfin pas de vie mais de mana. Alors elle est où la sortie? Là. Et juste une question, il en faut combien? Parce que moi s'il y en a besoin que d'une. Oh oh. Fais voir. Non! Il y a 12 portes! Et on va le faire comme ça. En mode, j'ai pas de... Voilà, un petit canard. Il met un coup. Ah non, mais c'est juste là. La petite grenouille qui est là. Voilà. On n'embêtera plus, toi. Une deuxième clé. Bon, j'imagine qu'il va falloir qu'on les fasse toutes. Dans la joie et la bonne humeur totale. Voilà. À travers les murs, ça change rien. Par contre, ça fait plaisir, faut être honnête. Boum, mon gars. Tu peux me toucher? Voilà. Je suis obligé de leur sauter dessus à l'instant T. C'est horrible. Ah, désolé, mais tu possèdes une clé. Tu comprends. Hop, alors il m'en reste encore un. On va le faire avec la ruse. Je crois qu'il vient en plus si je l'appelle par là. Coucou! Bon.
Voilà, tout le monde m'esquive. C'est la grenouille qui a pris. Non, mais c'est pas vrai. La grenouille, elle prend deux coups. Vous êtes malade. Allez. Tiens, la grenouille, c'est réglé. On va attendre tranquillou le cooldown. Ah, t'as peur, hein. Je vais faire exact... Oh, j'allais dire... Tu vois, je vais faire comme avec tous les autres. C'est-à-dire te transformer en poulet. C'est moi où j'ai entendu le bruit des... Hop, ah, je peux le taper comme ça. Oh, c'est bien aussi. Pas besoin d'équiper un sort pour au moins mettre un mini coup qui sert à rien. Alors, on a 4 clés. J'espère qu'il n'y aura que ça. Oh, une mandragore. Ah, il y a des casques ici. Hop là. Ah, on peut pas utiliser la baguette magique quand on a... Hop là. Voilà. Hop. Oh, j'ai peur. Ça sent mal. 1, 2 et 3. Bon, on va faire 1, hein, on va pas être... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'imagine qu'il faut qu'on aille tirer le levier qui est là-haut. Ça va être compliqué cette histoire. Ok, c'est là. Donc ça c'est réglé. On a réussi à lever un deuxième truc. Il faut celui-là pour que ça monte. Ah bah il est là, d'accord. Voilà, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, le roi du jump. Ouf, ouf. Hein, je suis carrément capable de me tromper encore une fois. Non. Comment je fais? Il va falloir y aller comme ça, là, Dark Tray. Oui. Et ben, j'ai même pas eu à recommencer 10 fois, dis donc. Un jump qui s'est pas trop mal placé. Hop. Alors, salle numéro 2. C'est pire en pire vos épreuves, ça dure de plus en plus longtemps. Alors, cette fois-ci, il y a des citrouilles. On a une quête avec des citrouilles aussi. Là, il y a une espèce de sablier, ça c'est nouveau, je l'avais pas vu. Ah, c'est encore un gros machin comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ok, donc ça c'est bloqué, j'imagine que si on monte, on doit pouvoir en faire quelque chose. Oh, il y a un bombardement maxima ici. Là. Bah écoutez, on va commencer par ça, parce que c'est pour l'instant c'est... Non, non, non! Là. Ok, encore une petite plante. Tiens, on t'a reposé. Il est super stylé le griffon là. Hop, on peut même pas ouvrir un coffre en ayant des... Oh, 40 pièces d'or. Bon, on a pas mal de trucs qui ont de la valeur. Je sais pas si on peut les vendre, j'ai pas trouvé encore. Alors, on va essayer... Ah ben non, il faut qu'on les sort. Hop. Ok. Donc là, on l'a fait bouger d'une case. Intéressant. Mais je vois pas ce que ça me permet de faire, en fait. Non, pour être honnête, là, j'en ai même aucune idée. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Voilà, très bien. Comme ça, on va pouvoir se faire le premier.
Allez, hop, par ici. Attention, par contre, là, je pense que si celui-là, il vous rentre dessus, vous êtes mort. Hop. Et ben, on va laisser faire celui en face en parallèle. Tac. Il y a même le compteur avec les fenêtres et tout. Très bien. Je te ramène par là. Et par là. Hop là. Énigme. Tac. Pièce numéro 2. Validée. Allez, la troisième. Ah, il y a une armure. Donc ça, il va falloir les transformer. Enfin, les transfigurer pour coller avec l'univers magique. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin tout de suite de s'équiper directement avec un sort offensif? Dans le doute, vous savez ce qu'on dit. Hop. J'aime bien le petit logo. Attention, il y a des armures. Non, toi t'es mignonne. Toi t'es mignonne. Là, il y a un Halo Mora. Ah, il y a une descente ici aussi. Ok, là il faut une clé. Oh là là, mais c'est un condensé le truc. Alors, hop. Wouah! Il sort en plus. Ok, mon gars. Ah, tu t'es trompé de copain, je te le dis. Je suis obligé de reculer, mais. J'ai un cooldown, c'est tout. C'est pas que j'ai peur. Ok, hop. Voilà, t'es un poulet, mon gars. Et t'es surtout mort. Voilà. T'avais une clé, tu l'as plus. Alors non, mais ça vous m'aurez pas avec ça, il y a trop moyen que vous ayez caché quelque chose là-bas, ils sont fourbes. Hop. Non, non, moi je fouille, moi. Je fouille. Bon, manifestement, il faut s'avouer vaincu, il n'y a rien. Donc là, on peut aller ouvrir ça. Hop. Ça va nous libérer ça, j'imagine. Là. Oui, mais. Comment je fais pour le bloquer à la moitié? Non, ce n'est pas le bon spell. À faire. Ah, il y a une y a un passage en dessous. Alors, franchement, j'ai failli rester bloqué. La quête de l'infini. Hop, ah bah c'est directement là où j'étais en train. Hop là. Pff, non. M'arrange pas du tout, toi. Alors, on va rappeler le truc là-bas. On dirait qu'en dans un jeu, ils ont voulu augmenter la durée de vie artificiellement, si je veux dire. Pof, voilà. Professeur, je pense que vous. Oh, oh. Alors, transfiguration, et là. Voilà. Oh, c'est beau! Franchement. J'en ai fait des verrières dans Minecraft et franchement, là, c'est vraiment beaucoup plus joli. Je fouille, hein, je suis désolé. Il y a un coffre là-bas, vous l'avez vu? Ce coffre nous appartient. Voilà, il y a un petit peu de parcours pour le coffre là-bas. Moi, j'y vais, hein, j'en ai rien à faire. Non, non, professeur, vous m'aurez pas. Je l'ai vu, le coffre, je l'ai vu. Il est là. Combien? Coin, combien? 25? Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas fou. C'est pas mal. Enfin, je dis ça. Ça représente quand même un gros pourcentage de ce qu'on avait déjà. Bah, je crois que j'ai géré, professeur.
Vous avez maintenant déverrouillé le sort vers Averto. Vous pourrez transfigurer certains objets. Votre prochain cours sera Défense contre les forces du mal avec le professeur Lupin. Non, je veux juste fouiller un petit truc avant. Des fois qu'ils aient caché un autre coffre. Non, il n'y en avait pas d'autre. Eh bien oui, du coup je veux bien y aller. Voilà. On retourne à la salle de cours. Tini! Bon, vous avez entendu ce petit son, ça veut dire que la mission est terminée, qu'on a validé le cours et appris le sort. C'était un petit peu différent d'habitude, franchement ça a changé, là c'était plus de la réflexion. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi oui, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.